Et bienvenue à tous et bienvenue sur votre rendez-vous du vendredi. J'ai nommé le vendredi 17h30. Aujourd'hui, nous commençons notre aventure à Massiaf. Nous avons récupéré notre équipement la semaine dernière. Je vous invite à regarder la vidéo le Assassin's Creed Partie 5 dont je vous mets le lien juste ici. Et sinon, ben là, nous allons partir pour Acre. Et visiblement, on a un entraînement d'abord. Il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. Quelle maîtrise! Regardez, voilà comment nous devrions tous combattre. Bon, voilà. On a fini l'esquive. Je comprends. Tu es très donc, occupé. Comme je le disais, on part pour Acre. Alors, je vous y retrouve tout de suite. Pour ceux qui voudraient passer directement à certains événements, il y a l'euro d'attache dans la description de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur la minuterie qui vous plaît. Nous voilà donc arrivés à Acre. Alors, on va déjà voir où est-ce qu'on doit aller. On doit aller dans le quartier riche d'Acre. Donc le quartier riche, il est... Alors les amis, si vous me retrouvez à ce niveau de la vidéo, c'est que vous avez passé parties précédentes et que vous avez voulu voir le sauvetage des citoyens. Donc nous allons commencer tout de suite. Alors, à partir de là où on est, il y en a deux. Donc on va commencer par celui. Je vous en prie. Salut, voilà un problème. Je te ferai trancher ta main. Merci, vous pouvez m'aider. Hors de mon chemin. Tu vas payer de ta vie. Bien.
je dois vous... vous remercier. Même si j'aurais pu en venir à bout toute seule. Mais vous m'avez été d'une aide précieuse. J'ai une dette encore. Et voilà, on a des brutes qui vont retenir les gardes. On va continuer par secourir celui-là. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Comme ça, va être difficile. Lâchez la tête. Tu vas le payer de ta vie. Serment. Deuxième citoyen secourier, on passe au suivant. Bandit, j'aurai ta peau. Oh, pitié, dites-moi au moins ce que j'ai fait de mal. Liebe Gehör und Gehecht. Personne ne m'aidera. Pour qui te prends-tu? Aurait pu le faire. Vous êtes arrivé au bon moment, étranger. Votre bravoure vous honore. Je vais de ce pas en parler à mon mari. Garde-toi de moi. C'est le dernier. Vous êtes fous. Je l'espère. Enfin, mieux vaut ne pas prendre de risques. Je vais rentrer, et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière chandelle. Merci beaucoup, je ne l'oublierai jamais. C'est mauvais oubli. Alors, on a eu des érudits. Oh, maudit bonheur. Je fais que... Huh?
qu'il a rien d'un moine. Je ne sois pas bien difficile. C'était le dernier? Je l'espère. Enfin, mieux vaut ne pas prendre de risques. Je vais rentrer, et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière chandelle. Merci beaucoup, je ne l'oublierai jamais. Ok, suivant. Juste au bon moment. Une minute de plus et il m'aurait enlevé. Je vous la libère. Plus qu'un à faire. Je vais t'apprendre, moi. Allez, je vous en prie, venez m'aider. Pourquoi vous faites ça? Une fois. Hors de mon... Je dois vous remercier, même si vous n'avez pu en venir à bout tout seul. Mais vous m'avez été d'une aide précieuse. J'ai une dette envers vous. Bon, ben voilà, le dernier citoyen a été secouru. Donc maintenant, on va passer à la suite. Ce sont donc les enquêtes. Donc... si vous assistez maintenant à cette carte, c'est que vous avez avancé jusqu'aux enquêtes directement. Donc, vu que nous sommes ici, on va commencer par l'enquête de l'informateur ici. Par tous les dieux, ne me tuez pas! Oh, oh, c'est toi, Aldaïr. Tu m'as fait peur. Vois-tu, deux hommes de Richard en ont après moi. Nous étions en pleine négociation, mais j'ai vite compris qu'ils essayaient de m'escroquer. Alors, je me suis enfui. Toi, l'ange de la mort, prends leur vie avant qu'ils ne prennent la mienne. En échange, je t'expliquerai ce que je tentais de négocier avec eux. Bon. Bah, encore des petits meurtres. Quelques pièces, c'est tout ce que je demande.
Vous ne comprenez pas, mais je suis pauvre, j'ai besoin d'argent. Je vous en prie, messire, juste quelques pièces. Je te préviens, ne recommence pas. Est-ce que tu m'as bien compris? Ma famille n'a rien à faire. Donnez-moi quelques pièces. Vous pouvez me donner un peu d'argent? Alors, où se trouve le deuxième? Quel soulagement, je suis en sécurité maintenant. Merci. Je tentais de convaincre les gardes de la citadelle de laisser les portes ouvertes, même si l'alerte était donnée. J'ai échoué. Pour t'enfuir de la citadelle de Richard, tu devras escalader les murs. Pardonne-moi. Ok. Bon, on vient d'avoir la première enquête. On va faire la deuxième juste ici. Est-ce raisonnable de se relier à Guillaume? Son armée est encore plus puissante que celle de Richard. Elle nous sera utile. Je m'en vais rendre visite aux autres frères, pour veiller à ce qu'il ne manque de rien. Surtout qu'il ne cède pas. Ne crains rien, le maître a tout prévu. Si la situation devient critique pour nous, il entend bien la faire tourner à son avantage. Quelles sont ses intentions? Il vaut mieux pour toi que tu n'en saches rien. Fais ce que l'on t'a dit de faire. Va porter cette lettre à notre maître. Ok, bon, ça c'était facile. On va faire un nouveau. Ça s'annonce comment? Mal. D'après mes repérages, impossible d'attaquer directement. Quel problème? Des archers. Ils en ont disposé dans toute la forteresse. Et ils seront difficiles à éliminer. Ils nous transperceront dès que nous serons à l'intérieur. Tu as tout consigné par écrit? Oui, j'ai indiqué leur position sur une carte. Apporte la vie aux autres. Elle leur sera utile. Très bien. J'y vais de ce pas. Sois fort, mon frère. Oui, et toi aussi.
Ok. Maintenant. Altaïr. Une course. Toujours à la recherche de quelqu'un pour t'aider dans tes sales besognes. Cette fois-ci, Al-Mualim n'a rien pour toi. C'est moi qui te lance un défi. Retrouve les drapeaux de Massiaf que j'ai cachés dans le quartier où réside Richard. Et comme l'ordre, ne compte pas de membres plus loyaux que moi. Je te donnerai des informations importantes sur la ville d'Acre. Et c'est juste de revenir plus rapidement que la première fois. Continue ainsi et je changerai d'avis sur toi. Je vais te dire ce que j'ai appris sur Guillaume de Montferrat. Il s'est disputé avec Richard avant que le roi ne parte pour Jaffa. Depuis, Guillaume reste cloîtré dans sa citadelle, entouré de ses soldats. Penses-tu pouvoir l'atteindre alors qu'il est si bien protégé? Nous verrons, mais permets-moi d'en douter. Ok. Maintenant, on va faire un petit intérêt. Debout, mes amis! Ne nous laissons pas envoyer au massacre pour céder aux caprices d'un roi en proie au doute! Accordons notre confiance à des hommes qui ont des convictions! Des hommes comme Guillaume de Montferrat! Alors... Je veux qu'on me laisse tranquille. Si vous venez à la ville, je vous conseille de filer. De l'or? J'ai quelques pièces sur moi. Prends-les. Je me moque. Prends-les de l'or. Et file. Je veux des informations. Je ne sais rien. Tu connais Guillaume? Je dois le rencontrer. C'est impossible. Il s'entretient avec le roi. Quand le roi doit-il partir? Ce jour. Mais cela ne changera rien. Ils vont se quereller et Guillaume se retirera pour sermonner ses soldats. C'est une habitude. Richard blâme Guillaume et Guillaume blâme ses hommes. Il ne le verra pas. Je te l'ai déjà dit. Je dois voir Guillaume. Mais je n'ai jamais dit que lui devait me voir. Cette conversation est terminée. Pas si vite.
Il me reste encore quelque chose à te prendre. Ah oui, quoi ? La vie. Bon. L'enquête là est terminée. On se fait la dernière. Il te laisse aller et venir. Oui, mais Guillaume souhaite que les réparations soient faites aussi vite que possible. Cette forteresse interdite d'accès. Une chance pour nous. Une couverture parfaite. C'est malin. De toute façon, j'ai fini mon rapport et je dois le porter. Pour une fois, la situation nous est favorable. C'était pas un accident. Tu sais ce que dit la Bible ? Aide-toi et le ciel t'aidera. En fait, il s'agit d'un extrait des fables d'Ésope. Au contraire, de nombreux passages bibliques évoquent la patience, la loyauté et la nécessité d'attendre que le Seigneur décide si, oui ou non, il apportera son aide. Bien, je crois que nous avons assez attendu. C'est pas moi qui te contredirai. Très bien. Alors je m'en vais. Qui est l'auteur de ce crime ? Bon. Qui est responsable de ça? C'est un assassin! Je vais t'attraper! Ben maintenant qu'on a fini notre enquête, on va au bureau des assassins. Je vous y retrouve tout de suite. Nous revoici arrivés au bureau des assassins. Je dis revoici, car nous avons déjà fait une vidéo il y a quelques semaines à Acre. Donc je vous mets le lien vers cette vidéo juste là. Rafik. Altaïr, j'ai eu vent de tes exploits. Tu sembles manifester un désir profond de te racheter, cela ne fait aucun doute. Je fais de mon mieux. Et parfois cela te réussit plutôt bien. J'imagine que tu es venu ici dans un but précis. Oui, je dois éliminer Guillaume de Montferrat. J'ai fait ce qu'on m'a demandé et je me suis renseigné. Je sais comment m'y prendre pour l'atteindre. Parle, nous verrons bien. L'armée de Guillaume en impose, il se fait appeler maître par ses hommes. Mais il n'a pas que des amis. Lui et le roi Richard ne s'entendent pas vraiment. Exact. Ils n'ont jamais été proches. C'est une chance pour moi. La visite de Richard l'a contrarié. Guillaume se retirera dans sa forteresse pour ruminer sa rancœur. Il sera distrait. Je pourrai intervenir. Tu en es certain ? Aussi certain que possible. Et si ça évolue, j'aviserai. Alors tu as ma bénédiction. Mets fin au jour de Montferrat que cette cité soit enfin libre. Je ne reviendrai qu'une fois ma mission accomplie. Avance rapide vers une séquence plus récente. Bon. Méditation finie. Donc on va faire l'assassinat de Guillaume de Montferrat dès maintenant. Je vous y retrouve. Nous y voilà. « 3000 âmes, Guillaume. Je croyais qu'il devait être gardé prisonnier, et qu'il serait ensuite échangé contre nos hommes. »« Les Sarrasins n'auraient jamais honoré leurs engagements jusqu'au bout. Vous savez que c'est la vérité. Je vous ai rendu service. »« Oh oui. Un grand service, en effet. Cela va renforcer les convictions de nos ennemis. Ils se battront avec plus d'ardeur encore. »« Je connais très bien nos ennemis. Au contraire, loin de s'enhardir, ils trembleront de peur. » »« Dites-moi... Comment pourriez-vous connaître si bien leurs intentions ? Vous qui avez délaissé le champ de bataille pour la politique. J'ai fait ce qui était utile, ce qui était juste. Je pensais que vous aviez juré de défendre la cause de Dieu. Mais ce n'est pas ce que je vois. Non. Vous faites tout le contraire.
Vous tenez des propos très durs à mon égard, sire. Depuis tout ce temps, j'espérais pourtant avoir gagné votre confiance. Vous régnez déjà sur Acre en mon nom, mon cher Guillaume. N'est-ce pas là une preuve de confiance? Briguez-vous ma couronne? Vous vous égarez! Cela devient une habitude. Il suffit. Cette conversation n'a que trop duré. J'ai une guerre à mener. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Aussi ne vais-je pas vous retarder, Majesté. Je crains qu'un homme comme lui n'ait pas sa place dans notre nouveau monde. Je souhaite parler au plus vite avec les troupes. Nous devons nous assurer que chacun remplisse son rôle. Prévenez-les que toute négligence sera sévèrement punie. Je ne suis vraiment pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Oui, monseigneur. Les autres, venez avec moi. Faudrait que je commence par me débarrasser des archers, peut-être. Ne reste pas là, fils. Vous auriez pu me tuer? J'espère que personne n'est blessé. Tu n'as rien à faire ici. Pas tant. Je vais te débarrasser! Calme. Fini de jouer les intrigants. Que c'est-tu voilà. Tes intentions? Je sais que tu étais prêt à assassiner Richard et à donner Saint-Jean d'Acre à ton fils Conrad. À Conrad? Mon fils est un idiot, incapable de contrôler son eau. Alors un royaume? Quant à Richard, cet imbécile ne vaut guère mieux. Aveuglé par sa foi stupide et irrationnelle. C'est ce qu'a donné rien à Saint-Jean d'Acre. Comment oses-tu parler au nom du peuple? Tu voles leur nourriture, tu les punis sans pitié. Tout cela pour ton seul intérêt. Je me contente de les préparer à un nouveau monde, rien de plus. Je ne les ai pas volés. Non, j'ai réquisitionné leur nourriture afin que, si les temps deviennent durs, le rationnement soit équitable. Regarde bien, la criminalité a été bannie, sauf celle perpétrée par toi et tes semblables. Quant aux conscrits, ils n'ont pas été entraînés au combat. Ils ont appris les mérites de l'ordre et de la discipline. Il n'y a là aucune malveillance. Tu te prêtes des intentions nobles, mais en réalité, tu es cruel. Et cela doit cesser. Le fruit de ton labeur risque d'avoir un goût amer. Non, tu n'es pas là pour libérer nos villes, mais pour les vouer à la damnation. Quand tout sera fini, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Toi, qui es pétri de bonnes intentions. Il est de paix, 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 il est de paix,
tuer comme un animal. Tu es la... Et me voilà sorti de la forteresse. Bon, maintenant que je suis anonyme, je vais partir pour le bureau qui est juste là, et je vous y retrouve tout de suite. Nous voilà arrivés au bureau des assassins. Alors, quelle nouvelle ? Guillaume de Montferrat est mort. Tout risque de trahison est écarté. Je te sais gré d'avoir libéré Acre de son emprise. Mais pourquoi maintenant ? Le moment où les croisés ont besoin d'être unis. Il aurait pu attendre. Attendre quoi ? Que le roi Richard revienne et découvre son plan ? Non. Il ne pouvait choisir meilleur moment pour agir. C'est étrange. J'étais certain qu'il voulait Acre pour son fils Conrad. Il m'a pourtant affirmé que non. Tu ne peux croire la parole d'un serpent qui, même mourant, produit encore du venin. Je dois en parler avec Al-Mualim. Oui, mon ami. Hâte-toi de rejoindre Massiaf. Il est certainement pressé d'avoir des nouvelles. Avance rapide vers une séquence plus récente. Donc, on vient de faire notre bilan au chef de cellule de Acre. Et on va retourner à Massiaf. Si vous êtes repéré, tournez brusquement ou escaladez une façade pour échapper à la vue de vos poursuivants. Alors, Altaïr, donne-moi des nouvelles de ta mission. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Bien, bien. Je sens que tes pensées s'écartent. Tu peux tout me dire. Les hommes que je tue me parlent de choses que je ne comprends pas. Quand je vous demande de m'aider à y voir plus clair, vous me répondez toujours par des énigmes. C'en est assez. Qui es-tu pour me parler ainsi ? Celui qui se charge de la sale besogne. Si vous voulez que je continue, vous allez devoir me parler sans détour. Attention, mon garçon. Je n'aime pas ce ton-là. Et moi, je n'aime pas qu'on me trompe. Je t'ai offert une chance de retrouver ton honneur perdu. Pas perdu. Dérobé. Par vous. Et vous m'obligez à le retrouver comme un vulgaire chien. Je vais devoir te remplacer. Dommage. Je fondais beaucoup d'espoir sur toi. Si vous pouviez me remplacer, vous l'auriez fait depuis longtemps. Vous m'avez dit que la réponse m'apparaîtrait quand je n'aurai plus à poser la question. Je ne demande plus rien. J'exige de savoir ce qui unit ces hommes. Oui, ce que tu dis est vrai. Il y a un lien entre ces hommes. Un lien de sang qui ressemble au nôtre. Qui sont-ils ? Non nobis, Dominé, non nobis. Des Templiers. Tu comprends mieux quel est le pouvoir de Robert de Sablé. Tous ces hommes, à la tête d'une cité, d'une armée. Ils ont tous fait acte d'allégeance. Leurs actions ne doivent pas être considérées individuellement, mais dans leur ensemble. Que cherchent-ils ? À conquérir. Ils veulent la Terre Sainte. Pas au nom de leur dieu, non. Ils la veulent pour eux seuls. Et Richard ? Et Salah Adin ? Ceux qui s'opposeront aux Templiers seront éliminés. Je peux t'assurer qu'ils en ont les moyens. Alors il faut les arrêter. C'est ce que nous cherchons à faire, Tahir. Nous travaillons à éradiquer ce mal. Pourquoi m'avez-vous caché la vérité ? Pour que tu les perces à jour. La connaissance précède l'action comme en toute chose. Les informations que tu obtiens sont plus précieuses que celles qu'on te donne. Par ailleurs, tu ne me semblais pas digne de confiance. Je vois. Altaïr, ta mission reste la même. Seule a changé la façon dont tu l'aperçois. Et ce que j'ai appris me permettra de mieux comprendre les Templiers que je dois tuer. Y a-t-il autre chose que tu voudrais savoir ? Parlez-moi du trésor que Malik a rapporté du temple de Salomon. De Sablé voulait le récupérer à tout prix. Plus tard, Altaïr, tu y verras plus clair. De même que le rôle des Templiers a été révélé, tu connaîtras la nature de ce trésor. Dans l'immédiat, réjouis-toi qu'il soit entre nos mains et pas entre les leurs. Si tel est votre souhait. En effet. Tu gravis un nouvel échelon.
Donc, voilà. Je mets donc fin à la vidéo maintenant, vu qu'on a fini une ville. Je vous invite donc à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. À activer, bien sûr, la cloche des notifications. Et aussi, si vous voulez voir les anciennes vidéos, cliquez sur la playlist qui est juste à la fiche là. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, le vendredi à 17h30, pour une nouvelle vidéo. Au revoir, les amis.